Je suis tricoteuse et rebelle. vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Simple Sorcière en général. Tous les liens sont en dessous de la vidéo dans la barre de description. On est le 18 décembre, ça doit être ça, dimanche, un dimanche, où il a neigé tout le week-end, puis où la neige est comme collante à souhait, fluffy. C'était vraiment une tempête magnifique, très typique d'hiver quand il fait autour de zéro. Donc, c'était vraiment magnifique tout le week-end. C'est mon premier week-end où j'ai rien fait. Rien fait, on s'entend, j'ai tricoté. Mais depuis le mois de septembre, tous mes week-ends étaient overload à cause de tous les événements laineux, à cause de la teinture, etc. Puis souvent, ben, il y a eu tellement de changements dans ma vie dans la dernière année que il a fallu que je réapprenne ma... En fait, je ne l'ai pas encore réappris. Il a fallu que... Là, j'étais encore en train de vivre une espèce de tumulte de comment je vais gérer ça, comment je vais rentrer dans 24 heures dans une journée, etc., etc. Donc, j'apprends à gérer ma vie, finalement. Elle était très, très stable depuis l'an passé. Et là, bang! Plein d'affaires sont arrivées. Donc... Ben voilà, fait que là, j'apprends à me stabiliser tranquillement. Puis là, c'était le premier week-end où je pouvais vraiment faire « Wow! » On arrête. Et c'est encore la tempête dans mon appartement. Parce que mon appartement est aussi mon endroit où je teins. Et où j'ai ma compagnie. Puis quand je crée, comment je pourrais décrire ça? Je suis comme une espèce de tourbillon. Tu sais, au lieu, le petit bonhomme dans Charlie Brown là, qui est tout en salle puis qui a un petit nuage autour de lui, mais tu sais, c'est pas une question que je suis sale ou quelque chose comme ça, mais c'est le petit nuage autour de créativité qui est pas sale. Non, il n'est pas sale, mais il est toujours là. Fait que, ben, ça fait en sorte que des fois, je commence quelque chose à un endroit, puis là, je fais « puis là, je m'en vais à un autre endroit. J'ai pas envie de dire que je suis TDAH parce que je trouve que c'est le nouveau trend en ce moment. Tout le monde dit qu'il est TDAH parce que... ou tout le monde s'autodiagnostique, là, en tout cas. Mais je pense pas que c'est un trait TDAH. Je pense que c'est un trait typique de notre société. En ce moment, qui va tellement vite, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui a rapport avec les réseaux sociaux, mais là, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas, c'est ma propre opinion à moi, ok? Donc, je ne détiens pas la vérité. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de ça. Puis de toute façon, j'ai toujours été comme ça quand je créais, je crée pas juste une affaire à la fois, puis... Tu sais, on dirait que, bon, dans le processus créatif en général, il y a comme le temps de jachère, que j'appelle, c'est-à-dire que, ou de sédimentation, c'est-à-dire que là, on a une full bonne idée. Puis on fait, oh, OK, comment je vais faire ça? Ouh, yee. Puis là, on dirait que là, le cerveau, il fait comme, OK, je suis allé te chercher. Puis là, il s'en va changer de sujet, puis il s'en va sur d'autres choses. Fait que là, pendant ce temps-là, le cerveau conscient, je dirais, le rationnel, il tripe sur d'autres choses.
Mais il continue à travailler sur la partie qui est en jachère. Tu sais, une jachère, ça continue à pousser, hein, même si on s'en occupe pas. Donc, voilà. Puis ça sédimente aussi, même si on, surtout si on s'en occupe pas. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Puis quand je crée, ben là, j'ai une petite affaire là, après ça, j'ai une autre affaire là, puis j'ai une autre affaire là. J'avais comme 40 stations différentes dans ma maison. Et c'était le bordel total. Mon chum, il venait, puis il était comme, je sais pas comment tu fais pour vivre ici. Je dis, moi non plus. Et là, d'ailleurs, la pièce où on est en ce moment, c'était ma chambre. Mais ça va devenir officiellement ma pièce compagnie de laine, parce que pièce couture, ben, surtout parce que l'éclairage est vraiment magnifique, là. Je vous ferai pas faire le tour parce que c'est le bordel. L'angle que vous avez en ce moment, c'est l'endroit rangé de la pièce. Fait que c'est pas vrai que je vous montre ça tout de suite, c'est pas fini. Même chose là, un peu partout dans ma maison. Donc j'y vais petit peu par petit peu. Puis j'avais hâte de me rendre à ce moment-ci où les marchés sont finis, où je vais prendre une pause de teinture pour le temps des fêtes et probablement pour le mois de janvier, pour pouvoir laisser justement toutes les idées que j'ai eues mais que j'ai pas pu mettre en branle parce que j'avais des événements par-dessus l'événement. Je veux laisser tout déposer ça, puis m'en venir dans une nouvelle année 2023 avec une idée claire de où je m'en vais. Là, je parle de business, là. En fait, ça va vraiment... J'ai pas de plan aujourd'hui sur mon podcast. J'avais juste envie de vous parler. J'ai amené plein de choses autour de moi. Je vais peut-être en parler, je vais peut-être pas en parler, je sais pas. Ça fait comme à peu près un mois et demi, deux mois même que je pense à faire un podcast. En fait, attitré couture, attitré événement que j'ai vécu durant l'année. Puis là, tu sais, ça va être comme une orgie d'achat si je fais ça. Fait que j'ai comme pas envie de, de faire un épisode où « Ah, j'ai juste acheté plein de 40 000 affaires », sauf que c'est réparti sur 8 événements différents, là. Donc, je veux pas... j'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire un petit peu. Pas en quantité industrielle, mais un petit peu. Fait que c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de plan, j'ai juste envie... J'avais juste vraiment envie de parler à la caméra. J'avais juste vraiment envie de vous parler aussi. Puis de partager dans un format que je suis habituée de faire, c'est-à-dire un bon 2 heures, probablement. On verra. Partager mes dernières créations, mes dernières idées, qui sont plus pour moi, parce qu'on s'entend que là, tu sais, il y a beaucoup de créations qui étaient en lien avec ma compagnie et tout ça, fait que... Puis l'école aussi, parce qu'il y a aussi le nouveau programme... Mon emploi change l'année prochaine, ma matière change. Et là, j'ai eu une première, je dirais pas que c'est une formation, oui, c'en est une, mais c'était plus une séance d'information. Alors, puis là, ben, je vois l'ampleur de la chose et j'ai vu l'ampleur de... C'est pas des changements immenses, mais c'est des changements immenses. Alors, je trouve que c'est mieux pensé, en même temps, non. C'est mieux pensé dans sa façon que c'est constitué le cours. Puis là, je vais mettre en contexte, là. J'enseigne l'éthique et culture religieuse au Québec. Donc, s'il y en a qui m'écoutent outre-mer, ce cours-là n'existe pas chez vous. C'est un cours maison, c'est un cours qui est inventé par le Québec pour essayer de comprendre et de permettre de se baigner dans une introduction à la philosophie, l'esprit critique, puis intégrer un petit peu la morale, puis voir aussi la diversité culturelle et religieuse qui est maintenant la vie au Québec. Donc, et au Canada. Donc,
C'était une espèce de cours transition qui servait de transition entre l'enseignement religieux moral qu'il y avait avant 2007, même avant ça, là, je pense que c'est en 2003 qu'ils ont implanté le programme au primaire. Donc, et maintenant, là, ça fait bientôt 20 ans que le programme est implanté. Donc, le but, c'est de l'amener ailleurs parce qu'il n'est plus tout à fait adapté à la société. Puis la façon qui est amenée ailleurs, j'adore ce qui va se passer. Je suis vraiment très heureuse de voir comment ça s'enligne, mais je sens que je ne suis pas du tout prête à l'offrir l'an prochain. Donc, voilà. C'est mon petit éditorial. Gouvernement, s'il vous plaît, pouvez-vous nous informer mieux que ça, puis finir vos affaires avant de vouloir les implanter? Parce que là, on n'arrête pas de parler d'un programme provisoire. Fait que programme provisoire 6 mois avant l'implantation. En tout cas, voilà, c'est ce que je pensais. Je ne vais pas en rajouter plus que ça parce que c'est pas si intéressant que ça. Mais je trouve que, encore une fois, ma matière reste la plus importante de l'école et est encore aussi peu considérée au niveau du temps de prescrit. Par le gouvernement, chose que je trouve aberrante. Je ne peux pas croire qu'un gouvernement qui a bâti un programme aussi puissant, aussi bien conçu, ne pense pas au nombre d'heures qui doit être attribué à ce programme. Le savoir-vivre dont notre société a grandement besoin, je ne pense pas que c'est en 1 heure par semaine qu'on peut y arriver. Donc, je considère pas que. Le programme est vraiment très bien, mais il n'est pas viable dans sa formule de temps offert. Fait que je ne sais pas comment ils vont faire. Moi, je vais toujours faire ce que je peux. Puis ben, voilà. Alors! Aïe, belle intro! Alors, mon Dieu, où me garrocher en premier? Ben, peut-être sur. Ok, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par ce sur quoi je suis en train de travailler, puis que j'ai super gros du fun, puis le pourquoi de tout ça. Bon, dernièrement, j'ai envoyé tous mes calendriers de l'Avent. C'est la partie que j'aime le plus faire, c'est créer ce genre de bundle-là, c'est ce genre de c'est la création d'une espèce de comment je peux dire ça? J'ai juste bundle, mais ça marche pas. J'aimerais ça trouver un mot en français. Le seul autre mot qui me vient, c'est package, pas plus. Non. Alors, cet ensemble, j'aime ça créer des ensembles. J'aime ça créer des nouvelles couleurs avec une thématique. Avec des collaborations, c'est la chose que j'aime le plus faire avec ma compagnie de laine. Chose qui risque d'arriver vraiment plus en 2023. Parce que répéter les mêmes couleurs, avoir une recette précise, je suis pas ce type de sorcière-là. Je ne suis pas une alchimiste, je suis littéralement une sorcière. Fait que pour moi, c'est de la magie que je crée sur la laine. Fait que j'ai pas envie de. Je fais des métaphores, mais à peine voilées, là. C'est pas tout à fait des métaphores non plus. J'ai l'impression de. Je me prends vraiment pour une sorcière avec ces chaudrons quand je fais ça. Mais répéter la même couleur, c'est. Bah! Bah! Je suis pas une tripeuse de ça. Fait que je m'en rends compte parce que c'est ce qui me faisait pas aller au-dessus de mes chaudrons dernièrement. Puis j'étais comme, ah, oh, pas encore cette couleur-là. Quand il y avait des commandes, je préfère de beaucoup faire des pop-up shops, puis des pop-up, je veux dire, des shop updates, puis des couleurs uniques. Donc, risque d'être ça qui s'en vient en 2023, genre. Puis c'est ça, fait que le calendrier de l'Avent, c'est comme la patente que j'aime le plus faire. Fait que, parce que j'y réfléchis, tu sais, je suis déjà en train de penser à celui de l'an prochain. Donc, puis même les collaborations que je veux avoir avec les gens, puis
avec qui, puis tout ça. Donc, j'aime ça créer avec des thématiques. Ça a toujours été ça dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Moi, ça me prend un lien, ça me prend un sens. Puis quand j'ai le sens, là, tout se place, puis ça devient ce que j'aime le plus. Fait que j'étais vraiment heureuse de faire le calendrier de l'Avent de cette année, qui était inspiré du feu, de l'élément feu, avec les petites surprises qui étaient associées à. Puis là, je pense que je peux. Oh non, c'est vrai, il en reste une. C'est quoi, non? J'ai comme un blanc de quand est-ce que c'est. Ah non! Non, non, c'est. Ah! Je sais plus si je l'ai sorti ou pas. Je me rappelle plus si c'était le 16 ou le 21. Je me rappelle pas. Mais il y en a une des surprises que c'était vraiment très cool. Puis, ben là, ben selon moi. c'était pour faire découvrir une. Il me semble que c'était le 16. Je pense pas que c'était le 21. En tout cas. C'était pour faire découvrir une personne extraordinaire. Puis une compagnie aussi extraordinaire. Qui fait du cacao de cérémonie. Et pour moi, c'était comme un must de faire découvrir ça dans mon calendrier de l'Avent. Puis ça venait avec une tasse. Puis comme. J'espère que les gens qui ont eu le. Parce que pour moi, ça c'était comme vraiment un must. Plus c'est cool parce que j'en ai acheté vraiment plus que supposé. Puis, il m'en reste quand même une bonne quantité. Puis là, demain, je vais faire avec mon groupe de yoga au secondaire, parce que j'ai une classe de yoga au secondaire. On va faire une cérémonie du cacao avant notre séance de yoga qui risque d'être très dynamique demain. Donc, parce que le cacao donne énormément d'énergie. Donc, je veux les faire bouger après. Voilà, fait que ça, c'était comme, pour moi, c'était pas mal le clou du calendrier. Pour moi, c'était vraiment le clou. C'est sûr qu'il y a le cadeau du 25, mais ça, tu sais, c'est pas la même chose. Puis cette année, en plus, le cadeau du 25 est différent pour chaque calendrier. Donc, chacun a un cadeau spécifique. Fait que c'est ça. Comme personnalisé un peu. Fait que c'est ça, fait que j'adore les calendriers de l'Avent, les faire. Puis là, l'année passée, je m'en étais gardé juste un. Je m'étais pas gardé celui de la Terre, puis j'ai vraiment regretté. Ben, j'ai pas fait exprès, là, c'est juste que j'ai mal compté. Fait que j'aurais aimé ça m'en garder un aussi. Parce que les couleurs de la Terre étaient comme vraiment. Débile fait que d'après moi, je vais refaire un cycle. Là, cette année, c'était le feu. L'année prochaine, ça s'en va vers l'eau. Hein? Puis après ça, je vais refaire la terre, probablement. Puis je vais probablement rouler comme ça. À chaque année, ça va être un élément différent. Ou peut-être carrément d'autres choses quand je vais avoir fait le tour. Je vais peut-être changer d'idée. Fait que c'est ça. Fait que là, en ce moment, j'ai deux calendriers en fingering. Moi, je préférais en Dickey parce que depuis un petit bout, j'aimerais ça faire le chandail de. Le sea-glace. J'aimerais ça faire le sea-glace, mais en Dickey. Parce que. Bon, fingering, pour moi, c'est comme. J'en ai pour 5 ans à tricoter ça. Fait que pour ma grandeur, j'ai pas envie. Puis, je voulais vraiment avoir des beaux effets, qu'il y ait un dégradé, puis tout ça. Donc, je vais attendre. Je ne vais pas le faire avec un calendrier mini pour l'instant. Donc, mes calendriers, je me disais, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, j'ai quand même. Tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est quand même 500 grammes, hein? Tu sais, 25 fois 20. C'est ça, ça fait 500. Fait que, tu sais, deux fois 500 grammes, j'ai comme 1000, j'ai 1 kilo de laine, là, qui dort. Pas cool.
Puis j'aimerais ça pouvoir les utiliser. Fait que là, depuis un mois et demi, je me promène sur Pinterest. Puis là, je me disais, OK, une couverture de mini. Parce que celle de Camille Descoteaux, je l'ai déjà achetée. Je l'avais déjà commencée. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau, il veut pas la faire, celle-là. Il la trouve pas. Je suis toujours en train de regarder ma feuille. Puis je me disais, ben si je veux faire une couverture de mini, je ne veux pas être toujours en train de regarder la feuille. Bon, dit la fille qui a regardé sa feuille tout le long de son dernier parce que. Parce qu'elle n'a pas choisi l'affaire la plus facile. Mais bon, ah, vu de même, c'est pas difficile. En tout cas, faites-moi pas dire des affaires que je veux pas dire. Bon, mais je sais pas pourquoi elle veut pas me rentrer dans la tête. Et pourtant, c'est quand même assez facile, mais je me trompe tout le temps. Puis même si je regarde la feuille, je sais pas pourquoi. C'est-tu parce que je l'ai faite pendant que j'avais encore ma commotion, puis c'est resté marqué comme ça? Je sais pas. Mais peut-être qu'un jour je vais la faire puis que tout va rentrer dans l'ordre puis je vais être vraiment capable de la faire. Mais là, pour l'instant, je sais pas pourquoi ça veut pas marcher. Fait que le patron est acheté, j'ai déjà fait un triangle, il est pas beau. Je vous le montrerai jamais. C'est ça. Fait que peut-être qu'un jour je vais leur faire la couverture de mini avec des restants probablement, quelque chose comme ça, la couverture de Camille Descoteaux. Pour l'instant, là, je me suis lancée dans des projets crochets parce que. Ah, ça me permet d'introduire quelque chose d'autre. Parce que j'ai croisé une crocheteuse extraordinaire que là, j'ai loupé. Moi, la mémoire, c'est zéro. Là, vous voyez, j'ai pas de notes avec moi. Fait que les noms vont disparaître de mon cerveau. Probablement qu'ils vont apparaître parce qu'en éditant, je vais aller chercher puis je vais être correct. Fait que ça se peut que le nom de la personne apparaisse maintenant. Et cette personne est extraordinaire et je l'aime d'un amour infini, même si j'oublie son nom. OK, les noms, là, ça fait pas de vous. Ça fait pas que je me rappelle de vous, nécessairement. Moi, je me rappelle de l'énergie de la personne, son visage, son sourire, les discussions qu'on a eues, etc., etc. Alors, bref. Nous étions l'une à côté de l'autre au festival Pommes de laine que j'ai adoré. Genre, je veux y retourner là, trop. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. C'était tellement un beau festival. Les pommes, waouh, le jus de pomme capoté. Je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode. On dirait que je me répète tout le temps, mais en tout cas. Si je me répète, dites-moi-le, puis je vais arrêter, là, je vais réécouter. C'est parce qu'il faudrait que je réécoute mes autres épisodes avant d'en faire un. Ça marche pas, je peux pas me taper tout ça. En tout cas, bon, si je me répète, dites-vous que c'est une revue de l'année de la tricoteuse rebelle. Fait que je vais me répéter. Donc, le verger, juste trop. Malade, c'est trop bon. Les pommes, les beignes aux pommes qui viennent de là, oh my god! Ok, sérieusement, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour l'an prochain, je vous le dis, là, cet automne, déjà, ok? Cet automne, c'est vraiment un superbe festival. J'ai adoré. Donc, tout ça pour dire que nous étions une à côté de l'autre et c'est une crocheteuse. Puis elle venait vendre ses patrons. Puis aussi des crochets dont elle est fournisseur, je sais pas, ben, distributrice, en tout cas, elle vendait les crochets. Crochets tout bien compensés, t'sais, avec le bon poids dans la main. Puis moi, j'ai arrêté de crocheter quand j'ai commencé à tricoter il y a 3-4 ans parce que j'avais vraiment des blessures à force de crocheter. Fait que j'ai arrêté, mais c'est quelque chose qui me repose énormément parce que. J'ai fait ça pendant 15 ans. Ben, j'ai une énorme, là, on s'entend, j'ai arrêté un petit bout, mais comme pour moi, le crochet est hyper instinctif. Je regarde un projet de crochet, je sais déjà comment m'aligner, je sais déjà comment le construire, le concevoir. Il y a comme une logique dans le crochet qui est facile, simple pour moi. Mon cerveau le comprend. Puis, tu sais, même quand j'essaye d'avoir des challenges, ça marche pas. Comme ce que je vais vous montrer. OK.
encore une fois, coq à l'âne, mais bon. Je faisais donc, je vais revenir à Pinterest. Donc, j'étais en train de me promener dans Pinterest, puis je voulais faire une couverture de Granny Square, mais je voulais pas faire la fameuse Granny Square que tout le monde fait, parce que pour moi, c'est plate. OK? Donc, je voulais pas me lancer dans des carrés faciles, là. J'ai l'air super condescendant en disant ça. Mais j'avais juste pas envie de me lancer dans une affaire qui a plein de trous. OK? C'est plus ça. OK? C'est que dans les couvertures de Granny Square, je trippe pas tant. Surtout celles qui sont aller-retour puis qu'on fait 3, 1, 3, 1. En tout cas, qu'il y a des trous dedans. Nu. Nu. Nu, 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 nu. Je trouve ça. Même pas joli. Là puis j'enlève pas. Tu sais, c'est mes goûts à moi. c'est que mes goûts à moi. OK? Ça n'a pas rapport avec rien d'autre. Fait. Puis, check bien ça, je vais me faire un top avec ça un jour. Non, je trouve pas ça plus beau. j'ai beaucoup crocheté des vêtements, puis des trucs en éventail. J'aime beaucoup crocheter des trucs, tu sais, ça va vite, mettons, des éventails, des queues. J'ai un truc qui est fait en queue de homard, que ça s'appelle le point. J'aime beaucoup ça. Bref, tu sais, moi, là, j'aime ça quand c'est... quand on ne voit pas... Quand le crochet est fait en dentelle. On dirait de la dentelle. OK? Et là, moi, je cherche. J'essaie de trouver... quelque chose d'intéressant. J'avais commencé avant la pandémie, une couverture, même au début de la pandémie, je pense. J'avais commencé une couverture en acrylique parce que tout était fermé, là, qui s'appelle Not About Square. Puis c'est un vieux cale qui existait, puis c'est chaque carré, je pense qu'on le fait 4 ou 5 fois, ou 3 fois en tout cas. Puis j'ai fait les 3 premiers carrés, 3 fois. Super le fun. Ce qui est vraiment cool avec celui-là, c'est que chaque carré, il y a une vidéo pour ça. Fait que tu fais juste suivre la vidéo, puis c'est tout, là. C'est pas du tout compliqué. Fait que moi, j'aime ça quand c'est comme ça. Lire le patron, des fois. Bon, lire le patron, la problématique, c'est que je crochète gauchère. Ce qui veut dire que je dois lire à l'envers tout le temps. Donc, là, il va falloir que je prenne le patron de ce que j'ai commencé et que j'ai trouvé pour le mettre en miroir, pour me simplifier la vie. Parce que là, à chaque fois, j'étais obligée de revoir à l'envers où je m'en allais. Bref, c'est vraiment à s'arracher les cheveux d'être gauchère quand on est crocheteuse, mais bon. Je suis gauchère dans la vie. Je ne tricote pas de la gauche. Mais j'ai vu quelqu'un qui faisait ses round pearls en tricotant à l'envers, mais comme dans l'autre sens. Et j'ai vraiment envie d'essayer pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. En tout cas, on verra. Mais là, c'était ma petite parenthèse. Fait que bref, je cherchais sur Pinterest. Puis là, à chaque fois, c'est toujours pas mal. Bon, ce que je trouve vraiment beau, les types mandalas puis tout ça. Sauf que le type mandala, c'est bon quand on a une laine qui part, mettons, qui est toute égale ou qui fait de pâle à foncé ou qui change de couleur toute seule. Là, c'est pas le cas, c'est des mini, fait que ça changera pas égal parce que au centre, genre, une grosse couleur. Puis après ça, plus ça va aller, plus je vais avoir, genre, même pas un rang d'une couleur parce que en faisant, si c'est une couverture pour un lit, ça marchera pas. Fait que c'est pas ça que j'avais envie. Même si c'est super méga beau, puis je triperais bien rare de faire des mandalas, c'est pas ça. Il y a une couverture qui m'interpelle énormément qui s'appelle la Frida Blanket. Celle-là, c'est un de mes rêves de la faire, mais j'ai pas trouvé ma palette de couleurs encore. Puis il faudrait que j'achète carrément la laine dans les bonnes quantités parce qu'il y a des couleurs spécifiques pour faire l'effet de la couverture. Fait que je veux pas prendre des mini pour ça parce que j'en aurais pas assez anyway pour faire
comme la couverture comme elle se doit. Donc, elle était exclue dès le départ, vu que c'était pour faire avec des mini. Donc, cherchais, jusqu'à temps que je tombe sur cette couverture extraordinaire. L'effet est juste trop malade. Elle s'appelle la Coral Blanket, Coral Story Blanket. C'est fait pour avoir une couleur principale, puis trois couleurs secondaires. Trois ou quatre couleurs secondaires, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je ne prendrai pas trois ou quatre couleurs secondaires. Ça va être mes mini. Donc, j'ai fait le premier hexagone, parce que c'est des hexagones. Puis là, je l'ai mis beaucoup sur Instagram parce que je trouve que c'est juste magnifique. Ça s'appelle la brioche au crochet. Bon, regardez de l'autre côté ce que ça fait. C'est vraiment cute, je trouve. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup de la texture, c'est qu'il n'y a pas de trou. Sauf pour mes petits coins ici, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me va. J'ai pas de stress avec ça. D'ailleurs, là, il va falloir que je trouve une façon de le bloquer pour qu'il tienne. Parce que j'aimerais ça le bloquer, mais aïe aïe! Puis, ah oui, c'est ça. OK, je reviens à ça. Je me suis dit que en trouvant celle-ci, j'ai vu que ce qui était vraiment beau, c'était toutes les couleurs speckles ou des couleurs qui changent, qui font des effets vraiment extraordinaires avec l'espèce de brioche spécifique là, du crochet. Fait que je me suis dit, j'ai deux calendriers en ce moment. J'aimerais ça avoir des couvertures des éléments. Donc là, j'en commence deux. On s'entend. L'idée, c'est pas de les finir la semaine prochaine, mais pas en tout. L'idée, c'est d'y aller au fur et à mesure. D'après moi, c'est un projet à long terme sur plusieurs années. Là. C'est pas. Ça sera pas fini l'année prochaine. Là. Mais en même temps, ben, peut-être que celle-là, elle va être finie l'année prochaine, puis ça va être l'air et le feu. Puis, on verra pour l'autre. L'autre, d'après moi, elle va être vraiment plus grosse parce que j'en ai deux. Donc, celle-là, elle est vraiment faite pour... Puis, ça se peut que je décide de la faire vraiment plus grande que supposée puis que je l'agrandisse parce que mon but, ce serait que ça soit une ouverture pour mettre sur mon Lee Queen. Sinon, ben, j'ai l'impression aussi que je pourrais en faire avec des petits restants. Je pourrais faire des appliqués ou les mettre dans un cadre... je trouve ça vraiment hyper magnifique, c'est vraiment très très beau. Et la technique utilisée, elle est... OK, bon. Là, pour ceux qui pensent que c'est compliqué de faire ça, là, détrompez-vous! C'est vraiment nono. C'est juste que... c'est juste qu'il faut aller chercher... OK, bon. Pour faire des espèces de chemins comme ça, c'est pas vraiment de la brioche. C'est juste que un rang sur deux, on prend une des couleurs. Ben, ça revient quasiment au même, je pense. Puis on tricote pas le même rang. C'est ça qui arrive. C'est qu'on tricote un autre rang. Puis entre ça, il y en a qui vont faire des petits chemins. Donc là, c'est selon le dessin qu'on veut faire. Fait que là, c'est vrai que ça ressemble à du corail, je trouve. Vraiment. Puis là, ben, j'ai vraiment envie de m'inspirer de ça pour faire un foulard là-dedans. Je trouve ça trop hot. Et il va falloir juste que j'essaye des affaires puis que je gosse des affaires si j'ai vraiment envie de designer quelque chose. Mais parce que ça c'est le genre de projet au crochet qui me fait complètement triper. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est, comme je vous dis, c'est pas si difficile parce que dans le fond, c'est au lieu de piquer dans... Comment je pourrais expliquer ça? Ah, mais je vais vous l'expliquer avec d'autres choses. Avec ma deuxième que j'ai commencé. Au lieu de piquer... Oh là, c'est... Oui, il y a des trous. OK, oui, il y a des trous, mais bon, c'est... C'est des mini-trous, puis c'est pour faire un dessin. OK? Ça va faire un dessin. Fait que...
Alors, au lieu de piquer, comment je pourrais montrer ça? Je sais pas si vous allez voir. Au lieu de piquer à l'intérieur de la maille, là, qui est comme ma pâte, va dans l'espèce de petit V, là, le petit V qu'on voit sur le dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Le petit V. Au lieu d'aller piquer dans le V, on va tourner autour de la pâte. Ce qui fait que c'est vraiment non, puis bien plus facile. Fait que on fait juste tourner autour des pâtes. Puis on fait des mailles en l'air. Fait que tourne autour de la pâte, maille en l'air. Maille en l'air, maille en l'air. Tourne autour de la pâte, maille en l'air, maille en l'air. Fait que ça fait que. Puis là, il y a des endroits comme pour fermer ça, genre. Ben, on va faire un. Ils appellent ça des trouble. En tout cas, c'est des triples brides, mais attachées ensemble. Fait que c'est comme. Tu fais une triple bride, tu la laisses en attente, tu fais une autre triple bride, puis après ça, tu passes au complet. Fait que ça fait comme une espèce de fin ici. Puis, tu sais, comme ici, mettons, pour que ça passe en dessous, ben il faut aller chercher par en dessous. Mais c'est du tout compliqué, là. Ce qui est compliqué, c'est d'être capable de suivre le dessin quand on est gaucher, il faut le lire à l'envers. Parce que, tu sais, bon, mettons, moi, je le pars. Ben, moi, quand je crochète, je m'en vais mon crochet est dans ma main gauche, donc je m'en vais de gauche à droite. Mais le dessin, lui, il va de droite à gauche. Fait qu'il faut que je le regarde de l'autre bord. Puis, ça veut dire que moi, je commence par la fin. Fait que c'est en tout cas. Fait que il va falloir vraiment que j'inverse les photos, je pense, pour que ça me simplifie la vie. Mais en même temps, tu sais, j'arrivais toujours à comprendre le dessin, mais c'est juste que, tu sais, je le recommence, quoi, bon, je le recommençais 6 fois, je le faisais 6 fois, fait que, tu sais, des fois, ça prenait les 6 fois pour que je me rappelle, mais là, tu sais, j'ai vu, là, puis là, je peux prendre celui-là comme exemple, puis poursuivre avec les autres, fait que, il m'en est resté une micro-boulette de mon 20 grammes, micro, il m'en reste pas tant, là, j'ai mis. Ouais, j'ai pas fait ça de façon intelligente. Il est comme en dessous. Cas, il m'en reste pas beaucoup de ma petite boulette. Fait que soit que je vais faire avec mes boulettes qui restent d'autres, mais mélangées avec deux couleurs, mettons. Ou je vais faire la bordure, je sais pas encore, mais tu sais. Je suis pas rendue là pantoute. Fait que ce que j'ai fait avec mes deux calendriers, c'est que j'ai séparé toutes mes couleurs un peu plus speckle, marbré, etc. de mes couleurs qui sont un peu plus solides, un peu plus tonales, pour que celles qui sont plus marbrées fassent la coral story blanket. Puis que l'autre, ça soit la nature, je ne me rappelle plus du nom, qui va apparaître ici maintenant. Et c'est vraiment une belle couverture avec des carrés différents. Et, dans le fond, c'est en faisant des trous, je le sais, mais bon. Mais c'est des trous de fingering, c'est pas des trous de bulky ou de. Tu sais, je prends pas un crochet numéro 6, là, je prends un crochet. Ou 7, là, je prends un crochet 4 mm, là. 3,5, 4 mm. Fait que c'est pas. Ça va être long, mais en même temps, pour moi, c'est pas long faire ça. Ça m'a pris 5 minutes, là, faire ça. Fait que je suis pas. Puis il est pas fini, là. Il est juste commencé, là. Mais d'après moi, un autre 5 minutes, puis il est fini. Fait que celle-là. C'est cette couverture-là, on fait, je pense, 6 dessins différents 8 fois. Mais, tu sais, selon la quantité de laine que j'ai, puis je vais voir combien ça me prend pour faire un carré, je vais probablement avoir ce que je crois, c'est que je vais avoir 2 carrés par 20 grammes. Ce qui veut dire que je pourrais la doubler de largeur, puis elle pourrait déjà faire mon lit au complet. Fait que
On va voir. Celle-là risque d'aller vraiment plus vite que elle. Parce que ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis, ça fait à peu près une semaine là, que j'ai commencé. Ouais, une semaine que j'ai commencé. Puis, c'est addictif, mon affaire. C'est vraiment. J'avais perdu un petit peu mon mojo de tricot. On dirait que je tricotais juste parce qu'il fallait. À cause de la compagnie. Fallait que je fasse des trucs avec ma laine. Puis, j'avais vraiment perdu mon mojo de tricot. Puis là, ben, avec ça. Là, je l'ai retrouvé vraiment beaucoup. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir recommencer à crocheter parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis là, ben, avec des crochets, avec les bons, qui fait en sorte que ma main n'est pas placée, crispée, c'est vraiment une autre façon de crocheter que je tripe bien raide. C'est vraiment bon pour ma main, puis j'aime vraiment ça. Fait que voilà mes deux projets en ce moment. Puis là, ben, on voit, ça c'est mes tonnerres. J'ai décidé de classer ma laine qui est en projet dans des petits bacs comme ça pour que je puisse les voir facilement parce que mes chats mangent ma laine depuis quelque temps pour une raison obscure. C'est peut-être parce que je n'étais pas assez là puis ils me le disent. Ils disent, oh là, on veut que tu sois là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, parce que pour ce qui est de la Nutidène, maintenant, j'ai deux projets ici de Nutidène. Ça, c'est les boulettes que j'ai faites hier soir, là, parce que quand on tricote avec des plaies comme ça, c'est fatigant de trimballer les plaies. Puis, c'est vraiment plus facile avec les petites boulettes. Les plaies, ça fait que des fois, ça déchire facilement. Fait que j'aime mieux me faire des petites boulettes. C'est juste que dans un sac, je me suis rendu compte que la boulette a feutré. Fait qu'elle devient plus très utilisable. Donc, voilà. Puis là, ben là, l'éclairage n'est pas top parce que j'ai trop de lumière différente. C'est une lumière jaune, mais bon. Je vais vous présenter tout de suite Coq à l'âne. Puis j'aime beaucoup comment, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des cœurs, le centre. Ça fait souvent ça, la nitidène. Je trouve ça très mignon. J'ai fait un abus d'achat Nutidène cette année. J'avais commencé à tricoter des bas la première fois que j'ai tricoté quelque chose avec Nutidène. Puis là, je suis devenue littéralement accro à ces bas-là. D'ailleurs, il faut que je les rapièce. C'est comme mes projets de Noël, là, mes projets de temps des fêtes. Ça va être de rapiécer mes bas, dont un que mon chat a mangé d'ailleurs. Mais c'est pas de la Nutidène qu'il a mangé. Mais mes bas en Nutidène, je les mets tellement que ça n'a juste pas de sens. J'ai hâte d'avoir fini d'en tricoter une autre paire, mais ma paire est à l'école, puis c'est mon projet de quand mes élèves sont en travaux, puis que genre, je circule pas dans la classe parce que c'est silence, puis que c'est pas la fin du monde, là. Habituellement, c'est comme dernière période quand mes élèves sont en travaux, je tricote. Fait que. Parce que mon cerveau refuse de faire de la correction. Fait que c'est ça. Donc, j'aime vraiment le petit cœur. Alors, ça, j'ai préparé toute la laine hier. Ben, toute, il en reste, là, j'ai pas fini. Mais c'est parce qu'il faudrait que je le fasse plus de jours parce que mon éclairage n'était pas top. Puis, je veux faire des petites boulettes de couleurs pareilles pour pouvoir faire des dégradés de couleurs. Fait que c'est ça. Donc, ça. Ça va être mon cast-on dans très exactement 5 jours. Vendredi le 23. Je tombe officiellement en vacances le 22. C'est le 23, ma première journée off pour vrai. Et je me suis dit que ça allait être ma journée de cast-on officielle de mon mémoire d'hiver. Ça va faire depuis qu'il est sorti, que je l'avais acheté le patron quand il est sorti. J'avais fini presque un pan au complet d'un côté du patron. Parce qu'il se fait en deux côtés qu'on attache après ça au centre, en arrière, puis on fait les manches. Fait que, tu sais, en tout cas, j'avais commencé, j'aimais beaucoup le jacquard est intuitif, c'est super le fun à faire, c'est vraiment un beau patron.
Je l'ai vu plusieurs fois sur quelqu'un avec les laines qui étaient recommandées, là, qui étaient très smouchées, là. Puis là, je me suis dit, ah, non, non, je veux le faire. Je veux le faire en. Je veux l'avoir, ce cardigan-là. Manche longue, je ne le ferai pas crop, je ne vais pas le faire. C'est vraiment, là, tu sais, le chandail parfait pour s'effoirer dans un chalet ou à la maison quand il fait froid. Tu sais, comme la deux vestes de laine. OK? Fait que c'est ça que je voulais. Puis là, je cherchais les couleurs, puis je me suis dit, ah, ben, je vais le faire en multidaine, ça serait cool. Mais là, tu sais, de fois en fois, j'essayais de voir quelle laine qui irait bien avec quelle laine. Puis quand j'ai vu celle-là sortir, j'ai fait « Oh my God! » Ça, c'est parfait pour un color work. Et j'ai tout de suite vu le mémoire d'hiver. C'était comme « Oh! » C'est bien trop beau. OK? Fait que j'en ai acheté une quantité assez phénoménale pour être sûre de ne pas en manquer. Puis, oh, puis j'ai vu plein de projets travailler avec ça. Oh my God! Juste le changement de couleur, c'est capoté. Puis là, je cherchais, là, il y avait un vert qui était sorti. Puis je dis, ah non, pas vert, il y a du vert là-dedans. Puis là, tu sais, elle sortait plein d'autres couleurs. Puis à chaque fois, je disais, je n'ai pas envie d'avoir une vaseline brune, pas pour l'instant. Je suis pas encore dans le brun. Non, non, pas encore partie pour faire du brun. Fait que quand j'ai vu ce bleu-là sortir, je pense que c'était le dernier Shop Update qui a sorti ce bleu-là. Je sais pas s'il était juste pour les Patreons. Je pense que oui. Je sais plus. En tout cas. Bref, j'ai vu ce bleu-là puis j'ai fait. Ben là, ça, c'est comme parfait. Je veux une veste bleu marin avec du jacquard qui fait toutes sortes de couleurs. C'est le parfait match. Fait que j'en ai acheté... Là, j'ai écrit à la... À, je sais plus comment elle s'appelle. La dame gentille qui fait cette laine. Pour lui dire, OK... Voici mon dilemme. Je porte telle taille. Ce patron-là fait demande de la worst aran, je pense. Donc, aran brookie presque. Là. Combien je devrais commander de cette couleur-là pour en avoir assez? Parce que, tu sais, je fais quand même du 2XL, 3XL. Fait que je vais être sûre de ne pas en manquer. Parce que, tu sais, c'est tout le temps... Shop Update, pas il n'y en a plus! Mais cette année, vers la fin de l'année, il y avait des couleurs qui revenaient, là. C'est comme silhouette, le gris qui change de couleur, il est revenu. Il en reste encore, il en reste un petit peu. Il va y avoir un Shop Update spécial. Ah ouais, c'est vrai! Oh, faut que je me garde. Il va y avoir un Shop Update spécial cette semaine pour les Patreons. Les deux couleurs sont juste à jeter par terre. Fait que là, c'est sûr que je pars avec... quantité de chandail encore de chacune. C'est les seuls achats de laine que je fais. Vraiment, littéralement, là, en ce moment, là, c'est les seuls que je fais. C'est vraiment juste ça. Je sais pas pourquoi. C'est la folie. Depuis que j'ai fini mon cardigan. Ah, oh, je vais vous montrer mon cardigan. Tant qu'à passer du coq à l'âne. Je vais vous montrer mon cardigan. Je l'ai montré sur Instagram, je pense. En tout cas, je l'ai montré sur Instagram, mais... Fait que, c'est ça. Oui, je l'ai montré sur Instagram. Je l'ai presque tout le temps sur le dos. Dès que je mets une tunique, je le mets. Dès qu'il fait comme moins 10, là, parce que c'est chaud, hein? C'est vraiment très chaud, cette chose. Fait que, il est vraiment magnifique. Il arrive juste au bon endroit, tu sais, pour moi. Là, je ne le mettrai pas là. Il arrive juste au bon endroit pour moi. Vous irez voir mes photos sur Instagram. Les boutons sont juste magnifiques. C'est des boutons de la truquerie. Ce sont des cornes de cerf. Des slices de cornes de cerf. Je trouve que, tu sais, tout est précieux là-dedans, on dirait. Le patron, qui est tellement bien écrit et facile à comprendre. Encore une fois, merci Andréane pour ces magnifiques
ce magnifique patron-là. Là, avec l'éclairage, on ne verra pas. Mais j'ai mixé du gris. Oh, ça l'a feutré. Ça feutre tellement facilement, cette laine-là, c'est capoté. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans mon mini-podcast que j'ai fait dernièrement, mais il a fallu que je le coupe parce qu'il n'était pas assez long. Il a fallu parce que là, j'ai essayé de défaire. C'est indéfaisable, cette affaire-là. Ça n'a pas de sens. Quand c'est tricoté, là, c'est comme ultra durable. Fait que je l'ai coupé. J'ai pas eu le choix. Là, sûrement que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une balle de lavage avec ça. Parce que je peux même pas. Je pense pas être capable de la garder. Pour être capable de faire, mettons, pour l'intégrer dans du filage ou quelque chose comme ça. C'est comme intense, là. Puis quand je coupais, il n'y a rien qui a défait, là. Les mains, ils tiennent tout seuls. C'est comme. C'est incroyable. Ça me fascine. Puis là, je sais, là, je suis un peu. Tu sais, moi, je suis en retard dans la folie inutile, un peu, parce que moi, j'en avais entendu parler par. Ben, Claude Tricot ou Marina aussi, Marina Thibault qui en parlait souvent, puis comme ça me fascinait, mais en même temps, je trouvais ça tellement précieux à tricoter avant, tu sais, comme sur un projet que moi, je savais que je n'étais pas encore top notch, là. Mais là, j'ai bien trop de fun à tricoter ça, là. Ça relaxe en plus parce que c'est pas filé. Donc, il ne faut pas tirer trop fort. Puis, ceux qui pensent que c'est rêche, là, la laine qui pique, là, sérieux, faut se désensibiliser, OK? Dans la vie, là, si tu dis non à tout le temps, ça ne marche pas. Le cerveau, il va modifier tes habitudes de vie si tu le fais faire modifier. Il faut que tu te mettes en... Faut que tu te mettes en contact avec cette chose-là si tu veux modifier tes habitudes de vie. Tu sais, ça, là, c'est pas cher, là. Tu sais, tout le monde pense que c'est de la laine ultra précieuse parce qu'elle coûte cher. Non, elle coûte vraiment pas cher. Puis même les frais de transport, c'est y a rien, là, OK? À comparer, des fois, même au Canada, quand moi, j'envoie des colis avec Canada Post, mais ça, c'est une histoire, OK? Canada Post, c'est un des plus chers au monde, là. Mais en général, c'est pas si cher que ça. Puis là-dedans, là, j'avais commandé... faudrait que je le pèse, pour vrai, là, parce que c'est doublé. C'est deux brins en même temps. Je pense que pour ma taille crop, là, parce qu'il est pas complet, là, on s'entend. Je l'ai pas fait au complet. Manche trois quarts. C'est ce que j'aime le plus, les manches trois quarts, vraiment, là. C'est vraiment de baisse, là. J'ai pesé ce qu'il me restait de gris. Il me reste 340 grammes de gris. Puis, j'ai pris même pas la moitié d'une plate de... Ben, il appelle ça des plates, là, mais c'est une plate, OK? La moitié d'une plate d'une autre couleur qui est comme un blanc avec des mini speckles roses dedans. C'est écœurant, là, mais on le voit à peine, là. C'est comme, tu sais, faut vraiment mettre la face dedans, pis ah oh oui, il y a du rose! Fait qu'on les voit pas tellement. On le voit un petit peu de proche, mais sinon, il y a vraiment gris. Ben, vous voyez, ben, à peu près. Mais tu sais, mettons, je sais même pas si vous allez voir, mais il y a un speckles rose, là. On le voit-tu? Je sais pas. Fait que c'est ça. Bref, premier gros morceau terminé en étudiant. Chaque couleur est vraiment un mélange différent. Fait que c'est vraiment différent. Si je vous montre, d'après moi, ça va ressembler beaucoup à ça. Dans le toucher, là, ces deux-là, ils sont pas mal pareils. Tandis que si je vous montre celui que je suis en train de travailler dessus, je suis venue dessus, je l'avais mis de côté, mon Goldwing, parce que qui est gros, first of all. Puis ça se transporte pas si bien que ça, mais là finalement. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Ça va. Je l'ai mis de côté l'été parce que c'est quelque chose là, à transporter. Cette histoire-là, il est pas. Je suis rendue à un bout où c'est moins user-friendly. J'ai fini une manche. La semaine passée,
C'est des manches 3/4. Il est très lourd, celui-là. Celui-là, il y a 4 brins d'épaisseur au niveau du torse parce que c'est du jacquard. Puis chaque couleur a 2 brins. Fait que c'est très, très, très dense ici. Fait que c'est quasiment un manteau. Ben, ça va probablement être un manteau de printemps ou je vais le mettre quand il fait extrêmement froid, mais que, tu sais, moi, j'ai pas froid au bras dans la vie, là. Je suis un peu. Bon, hein, on va faire ça. Tant pis. Fait que, c'est ça, c'est mes. Je pense que c'est plate 2 et 3 ensemble. Il me reste 4 et 5. Puis c'est sûr que la cinquième, je ne l'utilise pas. Donc, puis même que, tu sais, ça, je suis sûre que ça va faire ma manche. En masse. En masse, en masse. Peut-être que même, je ne vais pas finir les deux plates. Je ne vais même pas me lancer dans les deux plates qui me restent. Fait que vraiment, là, je pense que je vais avoir utilisé 300 grammes de rose. Puis il y en a vraiment épais, là. Puis les deux jaunes ensemble, et mon jaune pâle, mon chat l'a découvert avant moi. J'étais partie aux toilettes et c'est fini après ça. Donc, c'était complètement détruit. Elle a pris des mordées, elle n'en plus finir. Donc, je suis prise. Alors, fait que c'est ça, je suis rendue là, je vais le montrer comme du monde. Hein. C'est où je suis rendue. Donc, je vais faire la deuxième manche probablement bientôt. Je me suis dit que j'allais allonger un peu le corps, puis peut-être finir le corps avant d'aller faire la dernière manche, vu que mes aiguilles sont déjà installées, qui étaient déjà. J'avais laissé les deux. Je cherchais les aiguilles cet été, je disais, voyons! Aussi que j'ai mis mes aiguilles. J'ai fait deux sets d'aiguilles après ce chandail. Tu sais, genre, c'est le cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est épais, là. C'est. Ouf, c'est quelque chose. J'ai hâte de voir, mais j'aurais pas le courage de le faire plein corps. C'est beaucoup trop long à faire. Il est large quand même, hein. Je l'ai fait assez grand. Je sais pas si je l'essaye, ça va donner quoi. Les aiguilles sont pas représentatives en ce moment. Ces petits trucs-là sont tellement pratiques. Fait que, à date, ça donne ça. Mange 3/4. Puis, tu sais, on le voit, là, il est stiff. Il est stiff un peu. Il est pas. C'est ça. Fait que, puis dans le dos, il descend quand même pas pire bas. Fait que, peut-être que je vais l'allonger encore, mais comme un petit 4, parce qu'il remonte à cause des bras. J'étais en train de me demander si je pourrais pas faire. Ah, écrivez-moi donc en dessous de la vidéo. Si je pourrais pas essayer de patenter des short rows de chaque bord des bras. Juste pour allonger en dessous du bras pour qu'il arrive à la même longueur qu'en avant et en arrière. Parce que clairement, il relève, mais c'est parce que mon tour de bras, il n'est pas tout à fait en dessous de mon bras, là. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Mais j'étais en train de me demander si je pourrais pas faire des short rows. Parce que, tu sais, en arrière, là, il arrive quand même presque au niveau de la ceinture ou de chandail. Fait que. Puis j'ai pas encore fait mes côtes. Fait que je sais pas trop. Parce que je trouve qu'il est comme ça, mais il remonte ici. C'est ça qui me fatigue. T'sais, si je faisais des short rows en dessous des bras de chaque barre pour arriver à la même longueur ici, je pense que je l'aimerais dans cette longueur-là. Dites-moi comment je pourrais patenter ça. Si il y a un ami gentil designer qui pourrait m'aider à faire ça. Parce que j'aimerais ça le finir au plus maudit. Tu sais, j'aurais aimé ça le mettre à Noël, mais bon. Ta-ta-da! Puis c'est du DK quand même. Ça a fait format DK un peu, là. Fait qu'il est comme. Ça va me prendre du temps, là. Puis j'aurai pas le temps cette semaine juste de faire ça. Puis c'est pas.
Mettons que là, mon mojo, il est comme, mets-le de côté un petit peu. Tu y reviendras plus tard. Mais il est vraiment cool. J'aime beaucoup la couleur, bien sûr. Tu sais, comme, il puff. Mais est-ce que c'est à cause de mes aiguilles? Là est la question aussi. Tu sais, il puff-tu juste parce que. Il lève-tu plus ici? Je sais pas, hein. Peut-être que ça pourrait faire en sorte que, tu sais, il va être plus égal avant-arrière si je fais des short rows de côté. Bon, ben, du coup, vous me le direz ce que vous en pensez. Puis vraiment, ça, c'est juste parfait pour pas défaire. Fait que, ouais, vous me direz ce que vous en pensez, puis si vous avez des idées par rapport à ça, parce que vraiment, j'ai l'impression, tu sais, qu'il est juste de la bonne longueur. Puis c'est souvent le problème, je pense que mon lèf, il fait la même affaire. Tu sais, il est comme, il lève en dessous des bras. Mais tu sais, il y a pas tout ça ici, là. Fait que si je pouvais y donner un peu de jus en dessous des bras, ouais. J'aimerais ça peut-être, parce que comme ça ferait en sorte que ça serait comme une recette gagnante à faire pour mes chandails quand je les fais crop à la place des faire pleine longueur. À voir. Vous me donnerez des nouvelles. Fait que, bref, c'est le Goldwing de Jennifer Stengas, ça me semble, son nom. Je pense que le choix de couleur, finalement, est peut-être pas de best. Je pense qu'on perd l'effet et le dessin. Mais je vais vous dire, ben franchement, rendu à ce stade-là, il m'en fout. Il m'en fout. Il y a eu du fun. J'ai eu bien du fun. Mes flottes sont vraiment magnifiques et douces. Puis même, peut-être, je vais le mettre à l'envers. Juste pour montrer tout le travail que j'ai fait à l'intérieur. Fait que c'est ça, c'est mon Goldwing. Puis il était dans un petit sac que j'ai fait moi-même. Puis je l'ai enlevé de mes. En fait, j'ai pas mis mes sacs encore sur ma boutique. D'après moi, ça va être des ajouts après Noël, là, je vais les rajouter parce que chaque sac est un peu unique. Fait qu'il faudrait que je prenne toutes les photos. Puis là, non, ça me tente pas live. Fait que c'est ça, mais c'est un sac que j'avais pas doublé. C'était un de mes premiers prototypes. Fait que c'est tout fait de recyclé. Fait que je fais des tote bags avec à l'intérieur doublé. Là, celui-là, il était pas doublé. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Puis là, pour pas que ma laine a un feutre quand je le mets dans le sac, je la cache en dedans. Voilà. Et là, si je le laisse traîner pas dans le sac, le chat va le trouver. Puis j'aurai plus de chandail. D'ailleurs, je laisse pas traîner aucune laine mutilée nulle part depuis que mon chat a mangé la laine. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est mes projets mutilés. Mes projets calendrier de l'Avent. Ah oui, j'ai eu un échange de calendrier de l'Avent. En fait, j'ai fait un échange avec avec Bitten Mittens. On a fait un échange de calendrier. Donc, j'aime beaucoup le petit concept avec la petite affiche. Le petit minou! Le petit minou! C'était inspiré d'une photo, donc c'est des couleurs qui étaient dans la photo. Je suis rendue là, dans le calendrier. Ce que je trouve vraiment cute, c'est les petits marqueurs de neige. Je ne les ai pas encore enlevés parce que je ne veux pas les perdre, mais ils sont vraiment très mignons. Puis j'aime beaucoup le fait que c'est comme mis sur des rangs comme ça là, de boucles d'oreilles. Ce qui fait que je peux autant l'utiliser pour le crochet que pour le tricot. Fait que c'est vraiment le fun, ça. J'aime bien. Fait que
C'est ça. Fait que là, j'ai l'impression que c'est des pierres semi-précieuses en plus. Ouais, c'est de l'emmaillotte. Oh, une labradorite, c'est de la protection, ça. C'est super cool. Labradorite, cornaline, lapis-lazuli. Ça, c'est opalite. Oh. Oui, opalite. Ça, c'est cool. Fait qu'il y en a plusieurs. Il y avait aussi un petit. Là, je ne sais pas si je vais le retrouver parce qu'il est dans le fond, je pense. Mais il y avait un petit porte-clés que c'était comme un bloqueur de bosse. Okay. Puis, il y a aussi des thés. Puis, il y avait du café aussi. Des gros cadeaux. Les thés ont l'air tellement bons. En fait, il y en a un autre qui est rendu déjà dans ma cuisine, mais ça, c'était celui d'aujourd'hui. Thésaurus, je trouve ça drôle. Fait que, d'après moi, OK. Les ingrédients de celui-là, thé noir, morceaux de pomme, pétales de centauré, bleuets, tilleul et mauve, arôme naturel. C'est bon, du tilleul et de la mauve. Fait que d'après moi, ça va être mon thé tantôt. Fait que j'aime vraiment. Puis là, tu sais, le petit. Je sais pas si on voit bien, mais j'aime vraiment le petit dinosaure. Vraiment cute. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai hâte d'ouvrir le gros cadeau dans le fond. Mais on n'est pas rendu là. Je sais pas tout de suite. Ah non, mes produits finis, tiens. Coq-à-l'âme, hein? T'inquiète, coq-à-l'âme. Désolée, j'ai tout mis à côté, à terre. J'ai fini ce truc qui est sorti vendredi. Donc, le patron est disponible déjà. C'est la Noctuidea, il me semble que c'est un nom en latin, OK? C'est un petit papillon avec des lunes dedans, et c'est fait avec ma grimoire. Donc, la designer, Got Witch Design, Mélodie, mascotte, qui a fait ce patron que j'adore. Et là, et le mix des couleurs est juste parfait. Je pense pas qu'on voit bien en ce moment avec l'éclairage. C'est un le mauve Nadine avec... ma couleur en surette que j'ai mixée ensemble. Elle n'est pas encore bloquée, mais moi, je bloque très rarement mes objets finis. Puis, je trouve que, tu sais, elle n'est pas bloquée. Je l'ai mis quand il pleuvait. Fait qu'on s'attend que, tu sais, elle était sur ma tête toute la journée dans un marché de Noël où il a plu toute la journée. Donc, clairement, elle a été bloquée autrement. OK? Mais c'est ça, je l'aime beaucoup parce qu'elle est comme lousse. Puis, il y a un beau gros ribbing, tu sais. Moi, j'aime ça quand mes oreilles sont vraiment bien cachées. Puis, j'aime vraiment le slouchy en arrière. Il n'est pas trop slouchy pour moi. Je pense que j'étais pas totalement sur le gauge. Fait que c'est de ma faute, là. C'est moi qui n'ai pas swatché avant. Mais bon, j'ai pas fait d'échantillon, mais bon. Je suis rebelle ou je ne le suis pas. Donc, puis j'avais, l'année passée, j'ai une collègue de travail qui tricote énormément. Puis, elle vend des tucs, puis des foulards, puis là maintenant des bas aussi avec ma laine. Mais elle avait plein de pompons en vraie fourrure qui avaient été faits par quelqu'un qui recycle des manteaux puis des choses comme ça dans la région. Fait qu'elle avait beaucoup, beaucoup de pompons. Puis comme j'ai vendu des trucs pour elle dans un marché, ben elle m'a dit « Choisis-toi des pompons. » Fait que j'en avais pris deux. Puis celui-là, je trouvais qu'il allait vraiment bien avec cette tuque-là. Fait que voilà, la Noctuidea de Got Witch Design. Puis là, moi j'ai décidé de m'inspirer de ça parce qu'il me restait de la laine. Puis je voulais m'inspirer pour faire des mitaines pareilles. Fait que là, parce qu'elle n'a pas sorti encore le design, puis que moi je voulais des mitaines. Bon, qui fit. J'aime ça les kits.
Fait que je suis en train de travailler sur quelque chose. Le patron ne sortira pas, je vous le dis d'avance, parce que c'est un mix de deux patrons. Fait que achetez-vous les patrons, puis faites-vous les mix. Fait que là, j'ai commencé, mais là, on s'entend. J'ai commencé. Hein? J'ai à peine commencé. Puis j'ai inversé mes couleurs parce qu'il m'en restait quand même beaucoup. Mais tu sais, il me reste plus de. Oups. Il me reste un blend d'autres choses. Ah! Il me reste plus de surette que de mauve nadine. Puis là, je vois que j'ai une petite boulette ici. Ça s'en va dans un autre projet. Petite boulette, tu t'es sauvée! Fait que je vais la ramener avec sa famille. Votre famille. Fait que c'est ça, fait que j'allais commencer. J'ai pas fini, là. Je procrastine. Ben, en fait, je procrastine pas. Je fais une couverture à place. Mais j'aime beaucoup le jacquard. Fait que ça me fait du bien de faire du jacquard. Fait que là, mais sauf que là, il fallait que j'imprime. Parce que j'utilisais une charte de une puis la charte de l'autre. Fait que là, c'était compliqué de passer sur mon iPad de j'ouvre une application, j'ouvre l'autre, j'ouvre une, j'ouvre l'autre. Fait que là, je dis on va faire ça papier. Donc, j'ai tronqué un petit peu le dessin du papillon pour qu'il rentre sur la format, l'autre patron de mitaine que j'avais, qui est le Speedy Selbou. Fait que j'utilise le concept de la Speedy Selbou avec la grosseur d'aiguille de la Speedy Selbou et l'intérieur de la main de la Speedy Selbou. Puis à l'extérieur, c'est le dessin de papillon qui va être tronqué un peu. Fait que j'essaye ça, on verra bien ce que ça va donner. Le mix des deux couleurs est vraiment très beau. Puis la Speedy Selbou, c'est vraiment rapide, là. Là, ça me donne juste le goût d'aller la finir tantôt. Fait que d'après moi, c'est ce que je vais faire à soir. Je vais avancer ça. Parce qu'à matin, je travaillais sur un châle que j'ai commencé cet été. Puis comme j'ai fait des petites boulettes, parce qu'il est en étudiant, j'ai fait des boulettes à matin, hier soir. Des petites boulettes de laine. Pour le châle, puis pour mon mémoire d'hiver. Fait que je voulais. J'ai comme avancé un petit peu mon char le matin. Il m'a redonné le goût. Mais là, je regarde ça, puis je me dis, ben, tu sais, c'est l'hiver. Ça va prendre pas beaucoup de temps à finir ça. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des beaux petits marqueurs de main après ça. Des petits ciseaux. Puis, ça ici. Ça vient de Suzanne et ses folies. J'avais une collaboration avec elle pour les ensembles Tim Burton de l'automne. Donc, il y avait un paquet de trois marqueurs de maille pour chaque film. Il y avait quatre films. Donc, ici, on a Edouard Roumain d'argent avec des petits ciseaux. Puis en bas, ben, ça allait avec les tranches de L, Monsieur Jack. Il y a un Sally puis un Jack qui est avec ça. Fait que je les ai portés comme boucles d'oreilles, puis il a fallu pendant. Quand j'ai commencé le projet, je les avais comme boucles d'oreilles, fait que j'ai enlevé mes boucles d'oreilles pour les mettre dessus. Fait que voilà. Fait que ça, on va travailler ça tantôt. Je pourrais vous montrer deux morceaux de couture que j'ai fait. Il y en a un autre, je sais plus où je l'ai mis. Je pense qu'il est dans un sac quelque part dans mes trucs que j'ai pas défait encore de mon dernier. Voyons, hey, je déparle. De mon dernier. Je vais le dire là. Mon dernier marché de Noël. Hey boy! Fait que je sais pas où j'ai mis ma cape, mais j'avais une cape. D'après moi, elle est dans. Je sais où ce que je pense. Mais pour l'Halloween, je me suis fait un costume et je me suis fait ce top avec les épaules carrées. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de mettre une photo, mais je ne garantis pas parce que je ne sais pas si je vais la mettre là ou si je ne vais pas le mettre sur Instagram plutôt. On va
verra. Ça se peut que je sorte l'épisode avant de prendre les photos. Parce que il fait noir, puis les photos se rendront pas super bien. Donc, c'est un top qui est sans patron. C'est-à-dire que... puis c'est comme une espèce de lainage carotté. Il est vraiment beau et doux, là. C'est chaud, je peux vous le dire. J'ai fait ça en me fiant sur un... OK. J'aime beaucoup, je pense que j'en avais parlé il y a quelques épisodes, là, je ne sais plus lequel. Mais j'avais parlé que j'aimais beaucoup, beaucoup une... je suivais une fille sur YouTube qui fait des tutos couture avec... genre, c'est fais ton patron toi-même avec des rectangles et des affaires comme ça. Fait que tu suis tes comptes, tu suis tes mensurations, tu prends tes mensurations, puis là, tu dis comment calculer tout ça, puis tu fais ton top. Ta jupe, ton top, tes pantalons, peu importe. Fait que ça a été ça ici que j'ai fait avec son tuto. C'est un top qui fait vraiment bien pour les tailles plus. Deux rectangles pour les manches. Puis un grand rectangle pour le corps. J'aurais peut-être dû l'allonger un peu plus. Peut-être que je pourrais refaire ce concept-là, mais que ça devienne une tunique. Ça pourrait être très cool d'ailleurs que ça devienne une tunique. Par contre, j'ai le calcul pour mes épaules était un peu trop grand et serré ici. Donc ici il est serré, mais là il est comme trop long. Fait que ça arrive vraiment, ça jamme dans les seins. Puis ben ça lousse au niveau des épaules. Fait que peut-être que je rajouterais mettons un petit ruban en arrière pour faire tenir le tout dans mon dos. J'aime beaucoup les cols carrés, ça me fait vraiment très bien. Fait que c'est pas la dernière fois que je vais le refaire. La seule chose c'est que le tissu est assez épais. Puis faire ces coutures-là, là, wouh! Parce que tout est plissé en dessous, puis il faut vraiment faire un carré. C'était de la méga job. Parce qu'il faut coudre à l'intérieur avant. Puis comme on rabat, puis après ça, on vient faire l'extérieur avec une pliure ici. C'était vraiment de la job. Juste ça, ça m'a pris une soirée, faire juste la couture du col, mais je regrette pas, je trouve vraiment que la finition est très très belle pour, habituellement, je fais des finitions un peu bâclées, là, c'est quelque chose qui me, quand je couds, je veux l'objet fini, fait que je suis pas toujours si minutieuse que ça, sauf quand je fais des sacs, parce que je suis tellement rendue habituée que, tu sais, en tout cas, je fais des coutures françaises, fait qu'on s'attend que ça, de toute façon, ça fait toujours un beau fini, là. Fait que, habituellement, je vais bâcler souvent mes finitions, mais là, celui-là, je me suis dit, ben, je vais me gâter, voir, je vais le faire comme il faut, puis je regrette pas, c'est vraiment un très beau top. Bon, mais comme je vous dis, il va falloir que j'installe probablement un petit ruban en arrière pour que ça tienne. Puis là, je viens de me dire, ben, ça pourrait peut-être être mon top pour Noël. J'avais pas pensé à ça. Je vais probablement, effectivement, le garder de côté pour installer le ruban le plus vite possible pour que je puisse le mettre pour Noël parce que ça fait vraiment bien. Il me fait vraiment bien, ce top-là. Bon, il est un peu court, fait que va falloir que je mette quelque chose d'autre en dessous ou que je le rentre dans une jupe. Ça, j'en ai en quantité industrielle. Là. Je vais peut-être mettre une de mes jupes taille haute que je peux mettre par-dessus ça, puis ça va faire. Fait que j'avais fait ça, et c'était pour un costume de sorcière un peu steampunk, là. Puis je voulais que les vêtements, je puisse les reporter. Puis, en fait, j'ai fait... Désolée du bruit. J'ai fait une jupe en corduroy avec taille élastique pour aller avec. Donc... Mais j'ai mal calculé mes affaires pour faire mes poches. En fait, il serait parfait si j'avais rabattu à partir de là. Sauf que j'avais oublié que j'avais rajouté une bande pour mettre l'élastique. Fait que là, mes poches, ils m'arrivent comme vis-à-vis les genoux presque.
même quand je mets la jupe taillon. Fait que c'est pas top pour les poches. Puis on dirait que j'ai juste pas envie de les refaire. Parce qu'il faudrait que je découvre. J'ai pas envie. Mais j'avais fait comme la poche était dans l'autre tissu. Ça faisait vraiment cool. Mais ça n'empêche pas que je peux la mettre, cette jupe-là, là. Sans que, tu sais, je m'en fous, là, que les poches soient pas à bonne place, là, quand je la mets. C'est pas ça qui dérange. Puis c'est un beau corduroy, très mince. Je l'ai pris, les deux tissus, je les ai pris chez Tissu Bertium, à grand-mère. Mais, tu sais, elle reçoit des lots, des fois, de fin de ligne. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment savoir s'il va en avoir. Des fois, il n'y a pas d'autres couleurs. Fait que, tu sais, puis c'est vraiment un corduroy. Il était vraiment différent des autres corduroy. Il est léger. Il y a vraiment une belle fluidité, contrairement aux autres qui sont un peu plus épais. Je pense aller me rechercher d'autres corduroy pour me faire d'autres jupes pour l'hiver. Fait que peut-être des jupes aussi avec des patchworks un peu intégrés dessus, là, je verrai. Mais je pense que je vais aller m'en chercher. Même demain. Demain. Comme ça, durant le temps des fêtes, je vais pouvoir me gâter. Là, je vais libérer. Là, vous ne voyez pas, mais ma table de couture est juste là. Et il y a une montagne de stock dessus. Fait que je vais la libérer. Puis j'ai vu qu'il y avait des spéciaux aussi chez Singers à Trois-Rivières pour des overlocks. Chose que je n'ai pas encore et que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Fait que ça se peut que j'aille me gâter avec un overlock pas cher. Il y en a des pas chers en ce moment. Je vais probablement chercher un overlock pour vraiment pouvoir travailler avec cet outil-là parce que là, je sens que, tu sais, mettons, surtout pour mon tissu extensible, j'aimerais mieux utiliser l'overlock là, pour faire des belles finitions. Puis surtout que là, j'ai de plus en plus de retailles, puis j'aimerais ça faire des vêtements avec mes retailles. Fait qu'avec l'overlock, ça va simplifier les choses. Fait que voilà. Donc, la jupe en corduroy, puis le top était comme un package deal ensemble. J'avais une cape grise en lainage que là, je vais doubler avec un tissu à l'intérieur, puis je vais rajouter un capuchon. J'avais juste fait la cape. C'est un, en fond, c'est ben niaiseux, là. C'est juste un rond. C'est un peu le concept d'une jupe circulaire, mais au lieu de la mettre autour de la taille, je la mets autour de mon cou. Fait que c'était juste ça, puis j'ai fait une finition avec une couture tout le long. Et là, elle n'était pas attachée, mais elle va être attachée avec un petit cordon et un. J'espère que je vais le retrouver, ça. J'espère. Parce que je sais qu'il est à quelque. Je pense qu'il est encore dans ma sacoche, j'espère. Mais j'avais un bouton en forme de demi-lune. Que j'ai pris chez la boutique Twistitch. Puis, c'est ça. Fait que je me rappelle plus c'est qui, mais elle vend ses boutons. Ils sont vraiment super beaux. Donc, voilà pour ce qui est couture. En gros, là, j'ai d'autres projets couture qui s'en viennent. J'ai croisé aussi une dame dans un autre marché de Noël qui veut, parce que j'aimerais ça apprendre à faire mes pantalons. J'aimerais ça ne plus être dépendante du magasin pour mes vêtements. Dans ce moment, je suis encore dépendante pour mes sous-vêtements. Mais là, j'aimerais ça ne plus avoir à acheter de pantalons parce que j'ai, tu sais, je fais mes leggings, mais les pantalons, j'osais pas trop. Puis j'aimerais ça me faire des pantalons style palazzo ou des jupes. Pantalon, que tu sais, ça a l'air d'une jupe, mais c'est un pantalon, j'aimerais ça m'en faire. Puis j'ose, je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de ma commotion cérébrale que maintenant je comprends plus tout dans les conceptions. J'ai regardé plusieurs tutos pour ajuster des patrons de pantalon, puis je suis pas sûre de comprendre. Fait que elle est à deux rues de chez nous, puis. Elle m'a offert de me donner un cours pour comprendre comment ajuster le pantalon. Fait que ça va être le bienvenu en janvier. Je vais aller faire ce cours-là avec elle. Puis avec l'overlock, d'après moi, ça va upgrader vraiment. Ça va amener ma couture à un autre niveau. Parce que j'aimerais ça vraiment, vraiment, vraiment ne plus dépendre des magasins de vêtements pour me faire les vêtements que je veux.
je suis en voie de plus en plus, je porte mes vêtements. À chaque fois que je porte les vêtements que j'ai fait moi, j'ai des commentaires positifs, puis les gens m'arrêtent, puis ils me disent « wow ». Donc, je pense que je sais comment m'avantager maintenant, puis je sais comment... je commence à concevoir une garde-robe qui est intelligente aussi, là, que des morceaux peuvent être tous mélangés ensemble. Donc, je suis rendue là, je pense. Fait que l'overlock, puis... Puis le cours de crotch, le cours de pantalon, ajustement de pantalon, ça va vraiment m'aider. Là, je serais rendue dans les achats. Et par rapport au festival que j'ai assisté, ben, tu sais, je pourrais dire à Twist, je me suis procuré ceci. Qui vient de Lemlen. C'est vraiment un beau fuseau. Ça n'a aucun rapport avec le fuseau de Ashford que j'avais. J'ai commencé à filer un petit peu. C'est vraiment pas égal. Je commence à comprendre la motion tranquillement. Mais je me suis dit que pour Noël, j'allais me gâter. J'attendais que la oui. Point 6, je sais plus trop en tout cas. Je veux me procurer un e-spinner, là, une fileuse électrique. Donc, je vais probablement me gâter pour le temps des fêtes. Parce que ma fête puis Noël, c'est collé. Fait que, tu sais, avoir une overlock pour ma fête puis avoir un e-spinner pour Noël, ça se fait, là. Genre, c'est mes cadeaux de moi à moi. De toute façon, je donne pas de cadeaux à personne, moi. Moi, je suis même. Je comprends pas. Bon. Je comprends les gens qui trippent sur Noël. C'est pas ça l'affaire. C'est juste que pour moi, Noël, à la base, c'est une rencontre familiale. Puis, c'est surtout ça. Qu'on fasse une orgie de consommation, pour moi, ça n'a pas son... De plus en plus, ça n'a pas sa place. Je me sens mal à l'aise face à ça. Je me sens mal à l'aise à recevoir. Et, dans le fond, là, chez nous, on fait un échange de cadeaux. Ben, dans le fond, je paye un cadeau pour moi. Tu sais, je vais payer pour donner quelque chose à quelqu'un qui sera peut-être pas si content que ça de le recevoir. Puis, je vais recevoir aussi un cadeau que je serai peut-être pas si contente que ça de recevoir. Ben, je connais mon père. Mon père, il met jamais ce qui est écrit dans la liste quand c'est lui qui nous pige. Fait que, je trouve que c'est de la dépense d'argent pour rien. J'aime mieux me gâter moi, puis gâter ma filleule, mettons. Je ne vais pas donner un cadeau à chacun de mes neveux et nièces. Je préfère offrir une sortie à chacun d'eux, puis du temps de ma part, plutôt que de leur offrir une bébelle de plus. Fait que, c'est ça. Fait que, à la place, ben je me gâte moi, parce que je suis la personne la plus importante dans ma vie. Mon chum ne tripe pas trop sur Noël non plus. Fait qu'on n'est pas très cadeaux tous les deux. Sa fête est au mois de février, fait que tous les deux, on est proches de Noël. Fait que probablement que, tu sais, on va plutôt se gâter en temps spécial les deux ensemble plutôt que de s'acheter quelque chose à tout prix. On n'est pas là-dedans. Donc, ça sera pas ça. Moi, je vais chez ma famille pour passer du temps avec eux puis avoir partagé un bon moment. J'ai pas envie de faire des échanges de cadeaux. Mais c'est moi, ma version de la chose. Voilà. Alors, parce que de toute façon, on a retiré toute la partie religieuse de cette fête-là pour la majorité des gens. Pour moi, qui est une ancienne chrétienne, ancienne, je dis ancienne parce que je ne suis plus si présente, mais... Puis, je pense que ma foi est rendue ailleurs. Là, si vous voulez qu'on en jase, j'en reparlerai dans un autre podcast. Mais je considère pas que... Vu que la fête, elle a été dénaturée pour moi, elle a plus la même connotation, puis elle a plus la même... J'ai plus la même version. Fait que la magie des fêtes, pour moi... Elle n'est plus tant présente, puis c'est pas une tristesse, là, moi je m'en fous. C'est pas quelque chose qui me dérange.
la magie de moi, pour moi, quand on arrive au mois de décembre, c'est un temps de cocooning, c'est un temps qui est fait pour me recentrer sur moi, mettre à pause. Puis les vacances, pour moi, c'est un 2 semaines précieux de temps pour me remettre de mon enseignement puis de l'énergie que je donne envers les autres. Fait que pour moi, c'est vraiment un beau cadeau, là, les 2 semaines de Noël, vu que je suis prof. Fait que je le vois vraiment plus comme ça que de le voir comme toutes les fêtes qu'il faut aller faire avec la famille, absolument. Surtout que cette année, je trouve qu'on a... Avec le fait que la pandémie semble être derrière nous, mais qu'elle ne l'est pas vraiment, mais que nos perceptions ont complètement changé face à ça, j'ai l'impression qu'on a voulu rattraper le 2 ans de calme qu'on a eu, puis de centration vers soi, pour se lancer dans 40 000 projets. Puis là, je dis « Oh, je m'inclus là-dedans là. ». J'ai été un peu intense en septembre, là, à partir de septembre. Mais je pense que là, pour moi, là, vendredi, c'est je vais rester en pyjama, je vais prendre le temps de faire de poursuivre le grand ménage qui est débuté en ce moment chez nous pour vraiment arriver dans la nouvelle année avec du calme, du doux, puis du repos. Donc, c'est pas mal ça. C'était ma petite parenthèse. Fait que bref, je ne sais pas pourquoi je t'ai partie voir ça. Donc, je me suis gâtée avec un fuseau de chez Lenlen quand je suis allée à Twist cet été. Puis depuis, mes achats laineux ont été en grande partie de la fibre. Puis là, je ne vous montrerai pas, mais j'ai acheté Nutiden a sorti des fibres. Ben oui. Donc, j'ai acheté 400 grammes de fibres qui va sûrement servir à faire... Je sais pas quoi encore, mais un chandail probable. Si je le file à 2 brins, j'aimerais ça le faire à 2 brins pour que ça fasse comme mélanger, là, 2 brins environ worsted de hareng, puis peut-être que je pourrais me refaire un XY ou un Offering of Trees. Peut-être plus de Offering of Trees. Parce que le XY, là, j'en ai déjà 2 versions. Ça serait une bonne idée que je fasse d'autres choses. Que j'essaie d'autres choses. Mais ouais, je ferais peut-être le Offering of Trees avec ça. Mais il faut que je le file, là, fait que je suis vraiment pas rendue là. C'est loin, 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 loin. Donc, j'ai acheté ceci. Et avec ceci, je me suis gâtée pour les fibres. Donc, là, je parle du coq à l'âme, là, mais c'est juste parce que... Ah, je ne vous ai pas montré mes bas. Pas grave. Vous les verrez finis. C'est tout. Avant. Je me suis procuré ça. À la petite laine. C'était le dernier orange qu'il y avait. Là, j'ai plus les étiquettes. Je ne comprends pas pourquoi. C'était le dernier orange qui restait des arts textiles du Témiscouata. Fait que je me suis gâtée avec 2 échevaux, des brebis du Beau Rivage / les arts textiles du Témiscouata. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais je peux-tu vous dire que la texture est folle. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça! Fait que ça, c'est mes 2 échevaux que j'avais achetés. Ah, ben un des crochets que j'ai acheté à Pomme de Laine. Je me suis acheté un crochet tunisien. On verra. C'est dans mes projets un jour d'apprendre à faire. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment très beau. Donc, je me suis procuré un crochet tunisien avec un beau petit bout là ici. Puis, j'ai hâte de comprendre comment ça marche. J'ai cherché longtemps. Ça fait longtemps que j'en cherche pour en faire. Puis, comme à chaque fois, dans les boutiques, c'est rare les gens qui font ça.
Puis, sur Internet aussi, les formations étaient comme. Tu sais, ce qu'il y a sur YouTube, ben, d'après moi, il y en a de plus en plus, mais quand moi, j'avais fait la recherche, il n'y avait vraiment rien. Fait que j'ai pas encore je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis j'ai hâte de le faire, parce que j'ai vu, ça fait vraiment des belles choses, le crochet tunisien. C'est vraiment un mélange entre le crochet puis le tricot. Fait que j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'essayer. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, ah oh ben ça, c'était un cadeau de moi à moi, là. De bleu poussière, bien sûr. Je me suis pris un beau bleu. Je sais plus pourquoi je l'ai pris, mais je l'ai pris. Au profond. C'est tellement beau. Fait que voilà. Quand je suis allée aux tricoteuses du quartier pour aller faire un pop-up shop, là, c'est ça. J'adore ce qu'elle fait avec les laines du quartier. Puis ça fait longtemps que j'en vois puis que je voulais en essayer. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, d'après moi, ça va être dans un châle quelconque. Je sais pas encore lequel, mais je trouve ça vraiment magnifique avec les zébrures. Puis cette couleur-là m'interpellait énormément. Je suis vraiment je m'en vais tranquillement vers ce genre de couleur-là. Je suis beaucoup dans le fluo, mais on dirait que là, toutes les couleurs un peu plus terre m'appellent tranquillement. Fait que je me suis procuré ça. Là, j'ai aussi à la petite laine. Oh, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce tweed vraiment trop magnifique. Et là, d'ailleurs, va falloir que je commande ce qui reste. Là, faudrait, là, j'espère que personne n'est parti avec parce que je veux faire un chandail avec ça. Je sais qu'il y en a deux autres comme ça, puis deux autres comme ça. Fait que je vais les commander pour me faire quelque chose avec ça. Je trouve tellement que le mix des deux couleurs est juste trop parfait. Je suis sûre qu'on ne voit pas bien à cause de l'éclairage, mais je vais essayer de prendre des photos, puis peut-être le mettre dans mon fil Instagram. Là. Vous irez voir parce que ça, c'est sûr que ça fait un chandail de fou, là. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est ça. Fait que je me suis gâtée aussi avec de la fibre. Puis là, il y avait à pomme de laine. Il y avait à l'air artefact. Puis ben là, c'est du fluo. T'sais? Fait que je ne sais pas encore comment je vais séparer ces tresses-là. C'est beau, là, ça n'a pas de sens. Puis c'est du chevillot. Ça a l'air vraiment hot à tricoter. En tout cas, j'ai hâte de voir au niveau filage, j'ai l'impression que ça va bien se filer pour une débutante parce que c'est pas comme du mérino, ça glisse pas trop vite, là. Fait que d'après moi, ça devrait bien. Ça devrait être le fun à filer. Fait que je vais peut-être l'essayer sur mon fuseau, celle-là. Sur mon fuseau suspendu. Je vais peut-être l'essayer sur mon fuseau suspendu. Je vais peut-être faire ça même ce soir au lieu de tricoter. Et je me suis gâtée aussi avec deux tresses. Quand je suis allée à Laval à l'Halloween, à l'Artefact était encore présente. Puis mon Dieu, qu'elle avait du beau stock! Et je me suis gâtée avec du Corriedale et du BFL Soie. Deux tresses qui sont, semble sensiblement les mêmes couleurs. Puis ça va être probablement pour soit que je le mets ensemble, soit que je le mixe avec ma fibre de Nutidène que j'ai aussi commandée. Je ne sais pas encore. J'ai l'impression que j'en ai pas assez là, pour jumeler avec la Nutidène. Fait que je vais voir ce que je vais faire. Mais pour l'instant, peut-être que je vais juste faire des fils individuels. Puis après ça, je vais décider de faire des plies avec ça, mais ensemble, ou je sais pas. Je vais attendre d'avoir. Pour faire celle-là, je vais attendre d'avoir mon spinner électrique, je pense. Puis, ben. À pomme de laine, encore. Urso avait des beaux petits roll-lags. Ils sont tout mignons. Ils
C'est les petits ronds. Ils sont vraiment très beaux. Les couleurs sont folles. D'après moi, ça, je vais l'essayer. Ah, je pourrais essayer ça plutôt. Je pense que c'est ça que je vais essayer avec mon fuseau. Ça va être plus facile, je pense. Avec mon fuseau supporté. Fait qu'il y a 60%, 75% de polypé, 10% de targhee, 5% cachemire, 5% neps. Ah, neps, le nosso. Je sais pas c'est quoi les neps. Donc, d'après moi, c'est ça qui va se passer. Ça va devenir mes... ça va devenir mon essai sur mon fuseau supporté. Mon suspendu, excusez-moi. Puis je pense que j'ai fait... Ah non, j'ai pas fait le tour. Il me reste une affaire. Deux affaires. Alors, ce que je porte, quand j'ai fait le marché du 2800, il y a une artiste qui était là qui s'appelle Poupeline. Et elle fait des superbes t-shirts, des tucs, toutes sortes de choses. C'est une artiste vraiment extraordinaire, graphiste. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup ses personnages. Puis ses chats. Elle a vraiment des beaux chats. le chandail de chat, il est comme au lavage. Fait que... Mais j'aimais vraiment beaucoup. Le tissu aussi qu'elle utilise, vraiment, c'est... Le chandail est vraiment très léger. Donc, je suis à la limite de la grandeur. C'est supposé être grand, mais ça ne l'est pas sur moi. Et... la chandelle qui brûle en ce moment, c'est Moonstone and Myth. C'est des chandelles, puis j'ai aussi de la cire comme ça, là, qu'on peut faire brûler dans un brûleur. Elle était présente au marché du crépuscule où j'étais. Où je suis allée, puis elle était aussi présente à Laval, à la boutique Twist Stitch à l'Halloween. Donc, j'ai pas pu. Elle était juste à côté de moi, là. Ça sentait tellement bon, j'ai pas pu m'empêcher. Là. Ces chandelles sont juste trop hot. Ça sent vraiment bon. Puis on s'entend qu'on est dans le même esprit. Donc, cette chandelle s'appelle Sortilège. Et cette odeur ici de cire s'appelle Mystique. Vraiment un superbe produit extraordinaire. J'adore, là. Les odeurs sont magnifiques. Puis je trouve qu'ils sont enveloppantes puis ils permettent de se sentir confortable. Quand je les allume, je trippe, là. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle. Beaucoup, je pense, sûrement. Alors, puis si j'ai oublié quelque chose, ben au pire, ça ira à la prochaine fois. Que dire d'autre? Je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Ah oui! Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça se peut que je veux pas me mettre de pression, mais j'aimerais ça faire une revue de l'année, du genre, comment je me... Ce que j'ai appris en tricot cette année, ou dans mes loisirs créatifs cette année, puis comment je me projette vers l'année 2023 dans mes projets créatifs. Parce que je trouve ça le fun... C'est pas que... tu sais, c'est un loisir, puis ça devrait pas être une job à temps plein. Sauf pour ceux qui ont envie que ça soit un job à temps plein, mais c'est quand même un loisir. Sauf que j'aime ça, en tant que loisir, me donner des objectifs. Puis, je vais faire le point avant pour pouvoir le faire. Fait que peut-être que je vais avoir un épisode qui va sortir dans le temps des fêtes, là, probablement. Ou sinon, tout de suite après. On verra. Mais si on se revoit pas, ben, je vous souhaite... de joyeuses fêtes. Peu importe si vous fêtez ou pas, puis prenez soin de vous. Écoutez vos limites. Des fois, durant le temps des fêtes, on va aller dans les excès parce que on dirait qu'on c'est juste là qu'on peut être dans les excès, mais c'est pas vrai. Vous allez beaucoup plus profiter de vos fêtes si vous n'allez pas dans les excès. Mais en même temps, du temps sacré,
c'est fait pour être du temps sacré, fait qu'on peut aller dans quelque chose qu'on ne va pas habituellement. Mais essayez de prendre aussi du temps pour vous, puis peut-être du temps silence pour vous, du temps de calme, du temps où vous pouvez être présent pour vous. Tu sais, le tricot dans le silence, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le tricot dans le silence, mais moi, ça me fait du bien. Des fois, ma méditation le matin, elle devient du tricot. Puis, le tricot dans le silence, c'est comme s'offrir. Moi, ça, c'est comme m'offrir un plaisir intense. Comme si mon temps devenait très précieux, puis que j'en étais consciente. Je ne sais pas comment le décrire autrement que ça. Donc, le tricot dans le silence, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis là, si en plus, c'est devant une fenêtre, devant un paysage hivernal ou devant un paysage de forêt ou quelque chose comme ça, c'est encore plus hot. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes encore. Puis, écrivez-moi en dessous. J'aime ça vous lire. OK, j'aime ça vous lire. C'est super le fun. C'est comme mon bonbon personnel. Fait que j'aimerais ça que vous m'écriviez s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle ou est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose de spécifique dans mes projets créatifs, parce que je fais aussi du journal créatif, mais ça je le montre pas parce que c'est assez personnel, mais en même temps je peux peut-être le partager. Je fais aussi du yoga. Est-ce que vous aimeriez voir une personne faire du yoga avec un corps différent, si vous avez jamais vu ça? Moi, je vais vous dire peut-être.